question, oui. Bien évidemment, vous avez deviné la destination et c'est Berlin. Des fois, tu sais, j'oublie que je suis sur Internet aussi longtemps que les gens qui me suivent. Après, je sais qu'il y a toujours des nouveaux, mais il y a quand même une grosse base de gens qui me suivent depuis des années. Donc forcément, lorsque je prends des décisions de vie, qu'elles soient importantes ou pas, vous savez à peu près mes goûts et vous savez ce que j'aime. Et genre, clairement, quand j'ai annoncé, ouais, je vais partir à l'étranger, j'ai eu plein de DM de gens qui me disaient, écoute Lisa, on sait que c'est Berlin. J'ai eu plein de commentaires. J'avais fait une boîte à questions. J'étais en mode, vous pouvez me poser des questions random. Et j'ai eu plein de messages en mode, on sait que c'est Berlin, future destination. Et yes, c'est Berlin. Du coup, pour ceux qui n'ont pas trop capté ce qui se passe, je vais vite fait vous faire un life update. J'avais déjà fait dans cette vidéo que j'ai publiée il y a là récemment. Waouh, vraiment, je suis en train de vlogger en public, mais 2022, new me. Genre, soyons un peu plus à l'aise face à la caméra. Bref, en clair, qu'est-ce qui s'est passé au mois de décembre, je me suis séparée de la personne avec qui j'étais, avec qui je vivais depuis plusieurs années. Et suite à cette séparation, j'ai commencé à chercher un appart en fait sur Bordeaux et je m'étais dit vas-y, je continue sur Bordeaux parce que j'adore Bordeaux et que vraiment bah, c'est une ville où maintenant j'ai mes potes. Et la dernière année que j'ai passée, du moins la seule année que j'ai passée à Bordeaux, je l'ai trouvé trop cool et c'est vraiment une ville avec un dynamisme que j'aime bien. Et en fait, lorsque je commençais à chercher les apparts, j'étais un peu... Je sais pas, j'étais un peu en mode, ça sonne faux en fait. Tu sais, une sorte d'instinct et de pressentiment au fond de toi, tu te dis, je sais pas pourquoi, genre je me vois pas trop en fait ici. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je me donne quelques jours pour réfléchir. Et de toute façon, moi, je pars du principe que la vie nous met toujours les éléments en face de nous pour prendre les décisions. Et je suis rentrée dans ma famille et je me suis beaucoup posé la question de ce dont j'avais vraiment envie. Et assez naturellement, il y a eu cet appel de revivre à l'étranger, déjà de 1. Parce que j'avais adoré mon expérience de PVT en Australie. Et de 2, il y avait cette envie d'aller en Allemagne. En fait, j'adore l'Allemagne, j'adore la culture. Et du fait d'être alsacienne et d'avoir toujours eu un pied entre la France et l'Allemagne, parce que j'habitais à la frontière, j'avais grave envie de retrouver ça. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas me poser en Allemagne et avoir dans quelle ville. Et évidemment, parmi toutes les villes que j'ai faites en Allemagne, celle que j'ai déjà faite 3 fois, ben, c'est Berlin. Et j'étais en mode Berlin, j'adore l'énergie de cette ville et pourquoi pas voilà, me poser quelques temps. Et donc du coup, je me suis pris une coloc pour 2 mois et pour le moment, je suis là 2 mois avec pas de plan après. On verra, soit je reste, soit je vais autre part, j'en sais rien. Je veux juste me prendre du temps pour moi et vraiment faire ce que je veux, ne plus avoir de contraintes liées à... quoi que ce soit, genre vraiment avoir juste ma valise, me déplacer où je veux, faire ce que je veux quand je veux. Et donc du coup je suis juste dans une période de ma vie qui est hyper importante là à l'heure actuelle. Je pense qu'on en parlera au fur et à mesure de ce vlog, mais en tout cas voilà, du coup ce qui se passe, je suis grave contente, je suis grave en mode waouh, nouveau chapitre de ma vie. Et du coup pour revenir un peu au présent, là aujourd'hui on est lundi, c'est ma toute première journée à Berlin. Je me suis pris un truc à boire ce matin et là du coup je vais retourner à l'appart parce que j'ai vraiment plein de taf. Et ouais, je vais vous filmer ma journée, je vais vous filmer des jours, je vais faire des vlogs comme à l'ancienne quand j'étais en Australie. J'ai vraiment hâte de cette énergie, du coup ça va être trop cool. Pour ceux qui sont sur Instagram, vous avez peut-être dû voir ce challenge qui a été créé par l'artiste Les Mystiques. En fait, c'est un challenge à faire dans un sketchbook qui a 20 thématiques pour faire 20 pages de sketchbook et je trouve ça vraiment trop cool. Donc j'ai décidé de faire la première page. L'objectif, c'est pas du tout de faire quelque chose d'esthétique ou quelque chose de parfait. C'est juste un petit peu une sorte d'entraînement, tu sais, question de se dire, au lieu de se mettre de suite au boulot, je me donne 10 minutes juste pour dessiner. Au niveau du matériel, j'utilise ces feutres qui viennent de Bic, que je trouve assez cool, et un sketchbook qui vient de Bosner. Pour le reste, qu'est-ce que je peux vous dire? En réalité, j'ai passé la semaine à travailler. Je pensais vraiment que j'allais vous faire un vlog assez riche en informations et assez condensé en Berlin, en trucs vraiment, vraiment cool. Mais la réalité, c'est que j'ai pas arrêté de bosser. Je vous avoue que cette semaine a été assez compliquée pour moi parce que c'est un petit peu la suite de semaines émotionnellement drainantes, on va dire. J'ai vraiment pas arrêté au cours des dernières semaines, que ce soit... d'un point de vue personnel, gérer une rupture, gérer un déménagement, gérer les au revoir, devoir vendre toutes ses affaires et d'un point de vue pro, enchaîner plein de projets, dont notamment le tournage avec Domestika. Vraiment, je suis épuisée par la vie, vous n'arrivez pas à vous imaginer. Et j'aurais voulu transmettre un petit peu plus dans ce vlog, mais on va dire que c'est une sorte d'intro à la suite. Donc j'espère que ça vous plaira, même s'il n'y a pas grand chose, mais je vous promets qu'il y aura sans doute plus de choses dans les prochains temps. Thank you.
cannot see you. It was amazing. This is one of the best days of my life. Oh my god. Morning. Oh my god, we are back like in Australia. Holy. Là, je réalise genre tout ce qui s'est passé émotionnellement au cours des dernières semaines et c'est abusé, tu vois. Je suis vraiment en mode, je suis épuisée et en même temps, je suis hyper contente et je réalise pas trop. Je suis un peu plein de sentiments différents, mais c'est hyper cool parce que ça me fait du bien d'être seule et ça me fait, enfin, c'est un truc de fou. Mais là, moi, j'ai vraiment l'impression genre de revivre et de me reconnecter avec moi-même. C'est assez ouf, tu vois. Genre, je suis hyper contente à l'idée d'être seule à nouveau. Et sinon, dans la globalité, j'ai juste passé du temps en étant seule, à marcher, à explorer. Et ouais, je sais que ce vlog est un petit peu plus personnel que ceux que j'ai l'habitude de faire, mais je trouvais c'est important quand même de faire une sorte de transition. Évidemment, je vais revenir avec du contenu sur l'illustration, sur l'auto-entrepreneuriat. Mais je pense qu'il y aura toujours encore un peu cette touche personnelle parce que c'est moi et parce que je pense que j'ai quand même certaines choses à apporter, autre que juste de l'administratif et peut-être plus des expériences de vie. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous êtes prêts pour les suivants parce que moi je me suis super inspirée et il me tarde de vous partager tout ça.